Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The World at Earth avec Wake et Kirby. On va tout de suite aller voir en jeu où on en était. On était sur la recherche des artefacts. Donc ici, on venait de récupérer Wake et Kirby ensemble. Ce qui va nous permettre déjà de débloquer le passage ici. Et ici, il nous faut 25. Ça, vraiment, ça se passe bien. On va accompagner cette caisse tranquillement. On va peut-être même attraper un petit peu de loot sur le chemin. Ce serait pas mal. Voilà, quelques petites graines. On entend la nuit qui commence à tomber. C'est pas une bonne nouvelle, comme d'habitude. Mais on devrait y arriver avant la fin de la nuit. Enfin, avant l'arrivée de la nuit, en tout cas. Donc on a 3 caisses pour l'instant. Il nous en manque peut-être une, peut-être deux. On va regarder ça tranquillement à l'abri du campement. Alors, examinons cette carte. On va dézoomer un peu. On a visiblement quelque chose par ici. On voit qu'on va devoir faire le tour. On a notre pont, je crois qu'il est là, notre pont. On pourra peut-être faire quelque chose avec Kirby. De passer de là à là. Toute cette zone-là que j'ai pas explorée. Ici, visiblement, on va aussi pouvoir descendre. Donc c'est plutôt pas mal. Là du coup, effectivement, je me pose pas de questions, on n'a rien en cours. Il faudrait qu'on récupère nos deux caisses supplémentaires, je pense qu'il y en a deux. On n'est pas sur un cours de réflexion sur un puzzle, donc on va aller au bosquet. Déposer nos affaires, vider notre inventaire. Je pense qu'on est encore un peu trop juste en thunes. Ah, c'est ça, un peu trop juste en thunes. Ça le fera. Puis pareil, là, je dois pas avoir ce qu'il faut pour améliorer. Ouais, 2050. J'ai absolument pas ce qu'il faut. Donc on va simplement dormir, sauvegarder. Et aller explorer à l'est et au sud. Eh bien, demain, puisque... Voilà. Donc... On récupère des farfelins. Je vais prendre tous les farfelins comme ça. On a vu qu'on n'a pas forcément trop besoin de ceux-là en fait. J'en prends quand même parce qu'on ne sait jamais. Si on a besoin. J'en ai pris combien? J'en ai pris 6. Si on a besoin de faire brûler quelque chose, ce serait dommage de pas les avoir. Et on retourne au champ de givry.
Donc on a vu que par là il y avait des choses intéressantes. Déjà on prend Kirby et on va là. Voir un peu ce qu'il y a. Bah il y a des choses intéressantes, mais je sais pas si Kirby elle peut faire ça. Non, il me faut Wick. Par contre, Wick peut lui envoyer des farfelins. Coucou les farfelins. Et on va pouvoir. Ok, tu m'envoies des givrelins. Tu m'envoies des givrelins, s'il te plaît, Wick. Les autres comme ça. Voilà, pouvoir gérer ça. Parfait, quelques petites graines et le pont est prêt. Voilà, on est tous ensemble et on va un peu voir ce qu'on peut faire. Déjà un coffre, on va pas s'en priver. Coffre bien rempli. Ensuite on peut descendre par là. Écoutez, voyage sans retour, nous voilà. De quoi casser un peu, des choses à casser ici. On profite un peu. Un petit peu de sous, ça devrait nous permettre de nous améliorer. C'est toujours ça de prix. Petite canette. Une autre canette. Ouais, ils ont pris plein de loot, visiblement. Ah! Assommez-le! Ça va, on s'en tire pas trop. Donc, par ici, il y a... un passage. Ok. Et par là. Gauche, ok, c'est le prix d'abord, histoire qu'elle ne tombe pas sur le dos. On peut pas? Il faut des givrelins, c'est ça? Il faut absolument des givrelins. Ok, fait de l'avoir vaincu. Ça nous débloque là. Oui, tu fais un monstre, hein. Ah, salaud! Salaud! Parfait. On est toujours à 45, donc on a perdu personne. Alors, par contre, je vais prendre les givrelins pour péter ça. On a laissé notre loot et un farfelin faire le malin. On prend les givrelins. Voilà. Finalement, on prend pas que les givrelins. Allez, tout le monde à l'attaque. Ça sent le pâté, ces trucs-là. Ouais, ça sent le pâté.
Ça se casse cette chose là? Ça se casse ces choses. Hop. Mon sac est plein. Bah, prenez-le vous. S'il vous plaît. Merci. Une page de livre. Un point de sauvegarde, c'est plutôt pas mal. J'en ai deux qui font les glandus. Il est où l'autre qui fait le glandu? Il devait être dans le fourré. Bien évidemment, hein, dans le fourré. On prend les givrelins et on dégage le chemin. Ok, donc c'était un cul-de-sac pour avoir un peu de loot. Un peu beaucoup de loot. Pas s'en plaindre. Vous avez tout ramassé? Vous avez tout ramassé, j'ai l'impression. Ouais, du coup, on a quand même beaucoup de loot à transporter. J'aimerais bien un carton ici, sérieusement. Un petit chemin qui fait quand même bien plaisir. On a vu aussi qu'il y avait visiblement un gros truc à aller chercher. On va essayer de voir si on peut l'attraper. Voilà, on va dans le carton. Moi aussi je vais aller dans le carton. Oui. Du gros loot qu'on a eu. Pas se plaindre. C'est vrai que j'ai pas du tout pris de quoi me soigner au cas où. Je vais prendre un petit peu quand même. Et on y retourne. Voilà, donc on a fait cette partie-là. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'ils peuvent... Non, ça se répare pas. C'est déjà là que je veux. Des givrelins. Et j'ai le droit tout sauf des givrelins. Non. J'ai pas l'air de pouvoir réparer ce. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait le tour. On traverse ici. On ressaute là. Les monstres ont pas repopé, c'est une nouvelle. On va voir ce qu'on peut faire par là, du coup. Ah. Ok. Ce genre de choses, vous venez nous falloir. Une Kirby qui fait des choses. D'ailleurs, on va faire ça. C'est cette pierre-là qui va nous permettre de... Non. Ah! Oui, le point qui nous intéresse. Pour supprimer ce...
Vous supprimez le jamais. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ok. Du coup, ça explique sans doute. Ah, je voulais. Oups. Wake. Serbi. Doigté. Vous allez dedans, les gars. Ah, des bulles. On va gérer le blob. Ah, c'est déjà la nuit. On gère le blob. Ah, merde. Je suis en train de paniquer à cause de la nuit. Il me faut Kirby qui récupère tout ce monde. Récupère-moi tout ce monde. Ah, je vais pas y aller. Alors, c'est la nuit pour pas paniquer. Mais j'ai mis des lumières! Ah oui, c'est vraiment. Elles sont vraiment inefficaces, les lumières! C'est. On va manger un peu, parce qu'on va quand même y avoir Louise. Ah, et du coup les lumières ont bougé avec moi. Bien joué. Je déteste cette nuit, sérieusement. On est vraiment tout faible pendant la nuit. Les lumières, elles servent à rien. Ah, il n'y a jamais de lumière. Pourquoi Kirby ne vient pas avec? Non, je suis à côté des lumières, Pourquoi tu m'attaques? C'est tellement faible, les lumières. On peut tellement rien faire pendant la nuit. Mais je suis à côté de la lumière. Je suis à côté des lumières, t'es pas rien pour moi. Allez, petite nuit, finis. Faire quelque chose parce que là c'est un peu frustrant dès qu'on bouge de cette lumière. Il y a le jamais qui nous saute dessus.
Allez, soleil, lève-toi. Que je puisse faire des trucs. Je suis à côté de lui, jamais. Je suis à l'abri. J'étais à l'abri. Voilà. Petit cocorico. Le soleil est là. Alors. J'ai déjà envoyé Kirby voir un peu ce qu'on peut faire. Et j'imagine que je peux pas simplement. Je peux pas simplement les jeter dessus. Ce serait trop simple. Donc en fait, ce que je comprends, ce qu'il faut que je fasse, c'est que Wake reste comme ça. Pendant que Kirby. Je m'envoie des farfelins, je les récupère. J'en ai pas eu beaucoup là. Ah, si j'en ai assez, hein, c'est pas beaucoup. Hein. On va leur taper avec nos petites pattes aussi. Hein. On est un peu Kirby en danger. Ça me semble un peu peu. Et en plus, ça fait des bébés. Peut-être effectivement pas prévu assez. Je les ai tous perdus là. Je les ai tous perdus. C'est pas glorieux, c'est pas glorieux. Et pourtant, j'arrive pas à les récupérer. Mais j'arrive pas à les récupérer. Voilà. Arrête mieux. Mais non. Ah, c'est relou. Faut que je le fasse 45 fois pour avoir mes 45 farfelins. Je peux plus 39 fois maintenant. Revenez, revenez, revenez. Bon. On va se dire que 24 c'est déjà très bien. C'est parti. On y retourne. Oh là là, mon dieu, j'en ai perdu, je sais pas combien. Dégelez-vous, on va savoir combien on en a perdu. Pas tant que ça. Gérez-moi ça. Comme ça, c'est fait. Hop. On va prendre le coffre. Et... on va aller chercher Wick.
C'est pas si simplement, hein, parce que il faudrait quand même que je récupère tout le monde. Oui, venez, hein, tout simplement. Et celui-là, il veut pas venir? Tu fais le relou? Tu fais le relou? Merci. 32 sur 39. Ils sont passés où les autres? Ah bah si, ils font leur revue. Merci. Ah, ici. Sur 39, on est bon. Donc on revient par là, c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre éventuellement de revenir au camp facilement. C'était pas forcément ce que je voulais faire, hein. Toujours à la recherche de nos artefacts, mais ça devrait nous aider un peu. Ça veut dire que bah, je vois pas comment anéantir le néant sur ce côté là 39 sur 39 après sur 40. Oui, voilà, on était juste pas assez loin de l'autre côté, c'est parfait. Mais je vois effectivement pas. Ça n'a pas l'air d'être cette pierre là qui gère ça. Ça paraissait pourtant le plus prometteur, hein. C'est le plus prometteur. C'est pas cool cette histoire. C'est pas ces choses là non plus. Ouais, je suis un peu tristesse. Je vois pas ce qui nous manque. Et par ici, il faudrait y arriver de l'autre côté. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mon gars. Pour y arriver de l'autre côté... Oui, on doit pouvoir y arriver de par où on était. Je sens que la nuit va nous tomber dessus. C'était se glisser, c'était pas prendre. Je peux descendre ici. J'en ai vu un faire son malin, je sais pas pourquoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore une zone avec des cloneurs. On a un gros blob. Ok.
J'ai le gros blob. Les gros blobs. Et ça y est, la nuit commence à tomber. Ah, n'importe quoi. Commence à tomber. Peut-être rester à côté de la lampe, hein, tout simplement. Peut-être ces deux lampes-là. C'est vraiment pas pratique la nuit. A priori, il y a un chemin par là, j'ai pas vu. Ok, il y aurait effectivement une caisse par là. C'est tellement flippant la nuit. Mais pour le coup, je suis un peu trop loin du téléporteur. Je vais être obligé de rester là. Encore une fois. Et ça manque d'un bouton passer la nuit. Attends, c'est le risque, hein. Enfin, c'est le jeu. Hein. Passer la nuit à l'extérieur, c'est risquer sa peau. Il faut faire gaffe. Donc l'épisode est suffisamment long, je pense que je vais faire la nuit en off. Et puis bah, on verra le lendemain, eh bien, lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Bye bye.